Et yo tout le monde, c'était Oyolo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Petite vidéo spéciale, donc sans Nico, donc j'en avais rec une avec lui, mais comme un mongol je n'ai pas activé le son de ma voix, du coup on l'entend que parler et c'est un peu chiant. Donc on se retrouve aujourd'hui sur mon serveur. Le serveur sera ouvert quand tous les plugins seront fonctionnels. Donc c'est un serveur PVP, Rush et plein d'autres choses. Donc je sais même pas ce que fait mon serveur, tu sais. Mais c'est un serveur qui va bientôt s'ouvrir. Donc en fait moi je finance juste. Après ce sont les autres personnes qui s'occupent. Donc moi je finance juste et je crée la boutique et le site internet. Donc ça c'était la première chose. Donc la vidéo, on va parler de ce qui va venir pour les 100 abonnés car on se rapproche tout doucement. On est à 92 à l'heure où je vous parle. Donc j'ai plein de choses à vous dire. Donc déjà j'ai changé de team, j'ai créé une nouvelle team. Qui s'appelle la YOLO tirer votre nom tirer YT. Donc Nico en fait partie et je pense que Enzo1881 en fera partie aussi. Donc je sais pas trop encore s'il va accepter ou pas. Donc ça on verra bien. Je lui poserai la question. Donc si vous voulez vous mettre dans la team, donc c'est très simple, vous m'envoyez un message. Enfin, vous mettez dans les commentaires le message je veux être dans la team et vous n'avez plus qu'à changer votre pseudo, vous serez dans la team. Donc on vous ajoutera pour faire des games, vous serez dans la guilde sur Epic Cube et vous serez aussi vous ferez aussi des games avec nous, donc moi et Nico. Donc si vous voulez un peu n'hésitez pas. Vous serez aussi donc vous aurez aussi des avantages puisque vous pourrez rec quelques vidéos avec moi et avec Nico. Donc si vous nous aimez bien, ça peut être sympa. Et voilà, donc ça c'était tout pour la team. Donc j'ai parlé de la team, j'ai parlé du serveur. Donc le skin. Donc Nico a le même que moi sauf que lui c'est pas en bleu clair, c'est en bleu foncé. Donc il est assez sympa, moi je le trouve. En tout cas, je le trouve assez magnifique. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc, vous voyez là, le bras, quand il avance, et ben c'est la même couleur. Donc, j'ai oublié de faire ça, donc ça, je le ferai. Donc, c'est Nico qui a créé le skin de la team. Donc, tout le monde aura le même skin. Sauf que, ben, vous voyez, moi, les particules bleu clair, ben, vous choisirez la couleur et vous la mettra. Donc là aussi il faudra Skype pour communiquer. Donc du coup je vous ajouterai sur Skype ou vous m'ajouterez comme vous voulez. Et le dernier point important c'est que la team YOLO a créé son propre texture pack. Donc j'ai créé mon propre texture pack qui sera disponible lors de la vidéo 100 abonnés. Donc à vous de voir. Donc je vous explique un peu. Donc ça c'est le pack Matox. Donc tous les blocs c'est Matox parce que le pack vraiment je le trouve magnifique. Après il y a quelques trucs on va dire que j'ai modifié, mais ça je vous le montrerai peut-être. Bon allez je vous le montre parce que de toute façon c'est pas très grave. Donc tout d'abord il y a les Golden Apple parce que c'est un pack UHC, build UHC, UHC. Donc c'est un pack pour les UHC vu que je me spécialise surtout sur ça, sur Badlion en UHC, run UHC. Je vais sortir plein d'UHC Highlight avec Nico. C'est une série qui va bientôt sortir vu qu'on en a rec pas mal avec beaucoup de kills. Bon, vous verrez ça. Après, je vais juste. Pourquoi j'ai mis Wither? Je suis con.
Voilà, donc je vais juste vous montrer un peu du coup à quoi ressemble le spawn. Donc ça ressemble un peu à ça. Donc c'est un serveur PVP, PVP faction, enfin il y a plein de choses. Donc oui, donc la Golden Apple qui est bleue parce que elle aime beaucoup le bleu. Donc la particularité de la pomme c'est qu'elle est petite. Donc ça on l'a récupéré d'un pack mais il me semble qu'on l'a modifié. Je sais plus trop, c'est Nico qui s'est occupé de ça. Donc il y a aussi voilà, donc les armures là j'ai pas touché, je les trouve magnifiques. Il y a l'arc que j'ai modifié. Il y a l'épée en iron et il y a la diamond sword. Et il y a aussi les sceaux que j'ai mis en bleu parce que je trouvais ça magnifique. Donc le pack sera sous lien Mediafire lors des 100 abonnés. Donc ça peut être intéressant pour vous si vous aimez bien le pack Matox. Donc voici l'épée et donc l'arc qui fait le bruit habituel quand Matox, enfin le bruit de l'arc de Matox, sauf que c'est pas l'arc de Matox, c'est un autre. Donc ça peut être intéressant. Donc l'arc est pour moi pas mal. Après mes choses préférées c'est l'épée en fer et en diamant que je trouve magnifique. Franchement c'est un gros travail de ma part et de la part de Nico. Donc on a travaillé dessus je sais pas, mais vraiment vous allez me prendre pour un con parce que ça dure pas longtemps, mais vraiment on a tout fait à zéro. Genre l'épée on a juste franchement on s'est donné beaucoup de mal. Donc j'espère que l'épée vous plaira. Et l'épée en diamant que je trouve magnifique, elle est incroyable. Donc de vue comme ça, ça donne ça. Donc moi je la trouve magnifique. Donc après il y a le saut bleu, donc le Hot MLG. Donc, qui est aussi magnifique. Après là vous allez dire ouais on voit pas trop s'il y a de l'eau ou pas. Mais moi personnellement je vois la différence entre le bucket normal et le bucket où je n'ai pas d'eau dedans. Donc je sais pas, après vous pourrez me dire vos avis. Et là voilà, donc il y a le sommet. Vous pourrez me dire vos avis aussi, vos avis comptent pour moi pour sortir la V2. Normalement à l'heure où je vous parle, je suis en train de modifier pas mal de choses. Donc par exemple déjà vous voyez que j'ai modifié l'interface. Donc bon, allez vas-y dégage. Donc vous voyez que voilà, donc j'ai les cœurs bleus, donc j'ai modifié ça et je l'ai pris d'un pack. Après voilà, c'est le Matox, un peu de Faceful, un peu de Matox et un peu de combiné avec quelques belles épées. Donc il n'y a que ça qui a changé. Donc franchement je trouve le pack magnifique. Donc en fait ce que je voulais vous dire c'est que je pense que l'interface il y aura une sorte de logo avec tous les membres de la team qui nous rejoignent. Donc je sais que ça va être beaucoup si